Toussaint 1954. Les Français d'Algérie pleurent leur mort assassinée la veille. La communauté française vient d'être la cible d'une série d'attentats meurtriers. Des hommes, des femmes, des militaires, des civils. Une action violente et concertée. Ce sont les premiers morts de cette guerre qui commence. Elle va durer presque 8 ans. 8 ans d'une violence inouïe dans laquelle 1,5 million de jeunes soldats français vont être projetés. 30 000 n'en reviendront pas. Une guerre qui va provoquer la mort de centaines de milliers d'Algériens, le déplacement 1,5 million de paysans et la destruction de centaines de villages. Une guerre qui va déraciner près d'1 million de pieds noirs de leur terre natale, entraîner l'abandon et le massacre de milliers de harkis fidèles à la France. Une guerre qui ne dira jamais son nom et qui provoquera la chute d'une république et la naissance de la 5e République. Et pour l'Algérie, l'arrachement de son indépendance. Mais en ce 2 novembre 1954, au lendemain des premiers attentats, une seule question hante les Français d'Algérie. Qui se cache derrière cette insurrection brutale, parfaitement coordonnée et planifiée? Plusieurs centaines d'hommes vivant dans la clandestinité, cachés dans les montagnes de Kabylie et de l'Aurès. Ils sont rassemblés au sein d'une organisation dont les 3 lettres ne disent encore rien à personne. FLN, Front de Libération Nationale. S'ils ont pris les armes, c'est pour gagner l'indépendance de l'Algérie. Ces hommes ont appartenu au courant politique de Messali Hadj. C'est lui, le père fondateur du nationalisme, qui écrit « Cette terre est à nous. Nous ne la vendrons à personne. » Ce combat, il le mène depuis les années 20. Mais c'est le 8 mai 1945 que tout a basculé. Alors que partout ailleurs on fête la victoire, des militaires français traquent les responsables d'un massacre commis dans les villes de Sétif et de Guelma. Ici, dans le défilé qui fête la fin de la Seconde Guerre mondiale, un homme a brandi un drapeau aux couleurs blanches et vertes. Le drapeau algérien. Il a été abattu par la police. En réaction, les manifestants algériens assassinent 103 Français. Les survivants sont sous le choc. Comment oublier ce qu'ils ont vu? Les hommes ont été émasculés. Les femmes ont eu les seins coupés. Des dizaines de viols ont été commis. À l'agression brutale va répondre la répression aveugle. C'est là, dans les milliers de morts civiles de cette répression, que le nationalisme algérien va se cimenter et puiser la vigueur de son combat à venir. Le général Duval, qui commande la répression, écrit dans son rapport. Je vous ai donné la paix pour 10 ans, mais il ne faut pas se leurrer. Tout doit changer. On commencera. Le général Duval avait raison. 9 années viennent de passer et rien n'a changé. L'opinion publique a à peine noté que le jour de la Toussaint 1954, 8 Français viennent d'être tués en Algérie. En revanche, le pouvoir politique, pourtant informé par les renseignements généraux d'une action imminente, est comme surpris.
Pierre Mendès France a été nommé président du Conseil au mois de juin pour mettre fin à la guerre en Indochine. En Tunisie, il s'avance pacifiquement vers l'autonomie. Il refuse de débuter une guerre dans un département français, car ce serait une guerre civile. L'Algérie, c'est la France, et non un pays étranger, déclare-t-il à l'Assemblée nationale. Toute la classe politique en est convaincue. Puisque l'Algérie, c'est la France, c'est son ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, 38 ans à peine, qui se charge de rétablir l'ordre. Les informations dont il dispose lui font penser que les attentats sont l'œuvre des services secrets égyptiens. La radio du Caire a d'ailleurs annoncé la première, la liste complète des attentats. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. Et nous s'attirons de manière implacable, sans autre souci que celui de la justice, et en la circonstance, la justice exige la rigueur, est responsable. La réponse du gouvernement français est donc claire. La répression. En plus des 12 000 hommes déjà présents dans la région, 5 000 soldats sont envoyés en renfort. Leur objectif est de prendre l'insurrection de vitesse, éviter qu'elle ne dépasse le massif des Aurès. C'est là que se trouve le berceau de la révolte. Une région montagneuse, sous-administrée, comme oubliée. Un terrain idéal pour la guérilla. Le 8 novembre, une semaine après les premiers attentats, le dispositif français d'encerclement est en place. Ceux que l'on appelle les Félagas vont être écrasés. Une guerre qui ne dira jamais son nom vient de débuter, se nourrissant comme toutes les guerres de ce qu'elle produit. La violence et l'humiliation. Et ce sentiment couplé à la misère sociale va pousser de plus en plus d'hommes dans les rangs de l'armée de libération nationale, l'ALN. Au printemps 1955, malgré la répression, l'ALN recrute. De 3000 hommes à une véritable petite armée entraînée et structurée. Parmi eux, des soldats de l'armée française d'origine algérienne. Ils ont participé valeureusement aux campagnes pour la libération de la France. Mais meurtris et se sentant trahis par la façon dont la France traite ses soldats indigènes, ils ont préféré déserter et ont rejoint la rébellion. Comme Krim Belkacem. De simple caporal-chef dans l'armée française, il est devenu le chef du FLN en Kabylie et l'un des initiateurs de la Toussaint Rouge. Autant dire que pour la France, c'est l'un des hommes à abattre. Et cette armée clandestine manque de moyens modernes. Elle ne possède ni char, ni avion. Pour exister, le FLN doit impérativement faire connaître son combat dans le monde et obtenir une reconnaissance internationale. Il peut compter sur le président égyptien Nasser, qui soutient sa lutte depuis le début. Avec l'Indien Nehru, Nasser a réuni en Indonésie 29 pays africains et asiatiques. Ils y affirment leur droit d'exister en dehors de tout alignement aux deux blocs qui dominent le monde. C'est la naissance de ce que l'on appelle le tiers-monde. Contre toute attente, Nasser y fait reconnaître le combat du FLN. Et les 29 pays expriment leur solidarité avec l'Algérie combattante. Pour le FLN, c'est une première grande victoire politique. Mais les hommes politiques de la 4e République ne voient pas la marche inexorable de la décolonisation. En Algérie, ils envoient toujours plus de soldats. Les Français d'Algérie sont rassurés. Leur histoire d'amour avec les parachutistes ne fait que commencer. Ces hommes ont combattu en Indochine. Ce sont des guerriers chevronnés. Mais ils arrivent avec le goût amer de la défaite. Et pour les chefs, la cicatrice encore douloureuse de la débâcle de 1940.
Élie de Saint-Mar, officier au 1er régiment étranger parachutiste et de cela. Il écrit « Nous n'avons connu que la guerre depuis notre adolescence. Elle est devenue sinon une habitude, du moins un ennemi familier. » Autant dire que pour tous ces hommes, un nouvel échec serait insupportable. La guerre d'Algérie, ils veulent, ils doivent la gagner. La reprise en main n'est pas que militaire, elle est aussi politique. J'ai une foi profonde dans les destinées de ce pays. Et si on s'en donne la peine, si on le veut, le succès sera au bout de nos efforts. Alors avec l'ethnologue Germaine Tillon, il sillonne le pays et cherche à en comprendre les hommes. Et il comprend. Si l'Algérie c'est la France, c'est aussi l'Afrique et l'Orient à la fois. C'est un pays immense et plusieurs populations y cohabitent. Les Touaregs, les Kabyles, les Chaouis, les Mozabites et les Juifs indigènes. Les Berbères s'appellent entre eux les hommes libres. Ils sont 9 millions et ont toujours peuplé cette terre. Mais l'Algérie, c'est aussi une population européenne. Depuis 1830, année de la conquête, on fête le 14 juillet. On danse, on pavoise, mais sous les palmiers. Ces gens sont venus de France, d'Espagne, d'Italie, de Malte. Eux aussi aiment passionnément cette terre qu'ils ont contribué à développer et à faire prospérer. Combien de temps ces communautés vont-elles pouvoir encore cohabiter ? Les Européens ne sont qu'un million et vivent principalement dans les villes comme ici, à Alger. D'un côté, il y a la ville française, avec son mode de vie occidental. Et de l'autre, dominant la ville moderne, il y a la Casbah, le quartier musulman. La Casbah, futur bastion des hommes du FLN. Mais ce que Soustel comprend, c'est que le système colonial a créé une société inégalitaire. Musulmans et Européens ne possèdent pas les mêmes droits. Une séparation insidieuse s'est faite entre les deux communautés. On va à la plage, mais entre soi. Et si les Européens sont en majorité des familles modestes, quelques centaines d'entre eux possèdent les grandes exploitations agricoles. On les appelle les colons. Le rapport de force né de la conquête et de la colonisation ne s'est au fond jamais démenti. Soustel voit aussi la misère. Les bidonvilles, l'abandon de ces populations. 9 Algériens sur 10 ne savent ni lire ni écrire le français.
sait que ce sont là les ferments de toutes les révolutions. Alors il s'y attaque, en pensant qu'il n'est pas trop tard. Il veut pacifier les zones rebelles en y apportant le progrès. C'est l'ambition des sections administratives spécialisées, les SAS. À 700 à travers le pays. Les militaires sont utilisés dans un rôle inhabituel. Le parachutiste Nantréhi se mêle à la population et devient instituteur. Il apprend à écrire, à lire et bien sûr à chanter la Marseillaise. Dans certains villages, on voit pour la première fois un médecin. Là aussi, c'est un militaire. On l'appelle le Toubib. C'est une autre forme de guerre qui débute, celle de la conquête des cœurs. L'objectif, gagner l'affection du peuple, le détourner du FLN. Cette population qui n'a pas encore pris parti en majorité pour l'indépendance est devenue un véritable enjeu. Ce principe de contre-guérilla, les militaires français en ont appris les règles en Indochine. Leur stratégie, la générosité. Leur arme, la main tendue. Mais cette action humanitaire n'est pas sans arrière-pensée. Elle permet de débuter un vaste travail de recensement. Nommer et ficher les individus facilite aussi leur contrôle. Dans ces villages, les militaires vont armer des bénévoles. Ce sont les groupes d'autodéfense. Chaque volontaire reçoit un fusil. Un simple fusil de chasse. Un fusil et une mission. Interdire toute approche des maquisards de la LN. C'est son village, sa famille ou son clan que chacun veut défendre. Mais ce village, c'est encore un coin de France. Et comme dans toutes les guerres, l'étendard doit être levé. Fidèle patriote français pour les uns, traître algérien pour les autres. Les hommes de cette armée improbable, et pourtant si fiers, s'engagent sans le savoir vers leur tragique destin. Été 1955. La politique d'isolement du FLN porte ses fruits. Harcelé par l'armée, coupé de ses soutiens, l'organisation clandestine perd du terrain. Le FLN veut créer un choc. Il cherche à engager une stratégie de guérilla, de harcèlement, dont le but est de déstabiliser la France. Pour cela, il veut atteindre un niveau de violence qui séparera définitivement les deux communautés. À Philippeville, dans le nord constantinois, à la machette, à la hache, au couteau et même à la pioche, des milliers de paysans algériens s'attaquent sans distinction aux hommes, aux femmes et aux enfants. Le plus jeune n'a que 5 jours. Au total, 123 Français sont tués, dont plusieurs dizaines de musulmans modérés. Le choc psychologique est violent, définitif. Le point de non-retour vient d'être franchi. C'était bien l'objectif de certains dirigeants du FLN. Le visage de la guerre d'Algérie se dessine. Sauvage, violent, aveugle. Jacques Soustelle est bouleversé par ce qu'il voit. C'est un autre homme qui quittera l'hôpital de Philippeville.
profondément choqué. Il décide de changer de politique. Le temps des réformes est révolu. La répression militaire sera à la mesure du choc. La haine et la peur se sont installées partout. Il s'y mêle désormais la soif de vengeance des milices civiles que Soustelle cherche à désarmer afin d'éviter l'escalade du sang. Il proclame l'état d'urgence et demande à l'armée de traquer les rebelles par tous les moyens. Les directives officielles reçues par les soldats français sont: tout rebelle faisant usage d'une arme ou étant aperçu une arme en la main sera abattu sur le champ. Le feu doit être ouvert sur tout suspect qui tente de s'enfuir. Cette répression fera 12 000 morts d'après le FLN. Et c'est cette sale guerre qui vient d'être dénoncée à l'ONU. La question algérienne est portée à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Pour le FLN, c'est une victoire diplomatique sans précédent. La France est sommée de s'expliquer. La France ne peut tolérer ni l'injure, ni la calomnie contre son œuvre civilisatrice. Ulcéré, ses représentants quittent la séance. L'Algérie, c'est de la politique intérieure. Ça ne regarde personne d'autre. En France, la guerre d'Algérie est devenue un sujet d'inquiétude pour la population. Elle s'est imposée comme le centre de gravité de la vie politique. Et c'est en faisant campagne pour la paix en Algérie que le socialiste Guy Mollet remporte les élections de décembre 1955. Sa première décision de président du Conseil est de congédier Jacques Soustelle. Les Français d'Algérie ont appris à l'aimer. Ils ont été rassurés par sa fermeté à l'égard du FLN. Alors ils le lui font savoir. Ils sont 100 000 à accompagner et même à vouloir empêcher son départ. Et c'est dans ce moment spontané que les Français d'Algérie prennent conscience qu'ils sont une masse, un groupe, et que cette foule peut désormais peser sur le destin du pays. Et Jacques Soustelle s'en va, cette terre chevillée au corps. Il reviendra bientôt, en ardent défenseur de l'Algérie française. C'est cette même foule chauffée à blanc qui, trois jours plus tard, accueille Guy Mollet. Les Français d'Algérie ne veulent pas du général Catroux, le successeur de Soustelle. Ils se méfient de cet homme qui vient d'accompagner la Tunisie vers l'indépendance. Il défie le pouvoir, ose interrompre la minute de silence et, comble de l'humiliation, lance sur le président du Conseil toutes sortes de projectiles et de tomates. Et la gerbe de fleurs déposée par Guy Mollet ne pèse pas lourd face à leur colère. Une colère et de simples tomates qui vont faire plier la République.
Guy Mollet ne montre rien de son trouble, mais il vient de céder. Il demande à Catroux de démissionner le jour même. Les Français d'Alger prennent alors conscience de la faiblesse de la République et surtout de leur pouvoir. Ils seront bientôt en rejouer. À peine rentré à Paris, Guy Mollet nomme un nouveau ministre pour l'Algérie. Robert Lacoste, un ancien résistant de la première heure, membre comme lui de la SFIO, le parti de gauche majoritaire. Guy Mollet demande aux députés de lui accorder des pouvoirs spéciaux. Le vote est massif, 455 voix pour, communistes inclus. Les pouvoirs spéciaux donnent carte blanche à l'armée avec un seul but, écraser les maquis de l'ALN. Pour cela, les militaires découpent l'Algérie en trois zones. La première zone est la zone d'opération. C'est là où se cachent les rebelles et qu'ils vont être traqués. Un enfant de 12 ans, Mohand Kefash, décrit ce qu'il voit. C'est devenu routinier. Les militaires arrivent, nous rassemblent et nous interrogent sur les félagas. Ils crient. Ils menacent de fusiller les personnes qui les cachent ou les nourrissent. Ça dure 2 ou 3 heures. Au début, j'avais peur. Maintenant, j'ai appris à apprivoiser ma peur. On essaie tous de rester impassibles. Et Robert Lacoste, en personne, vient s'assurer que le travail est bien fait. La deuxième zone créée par les militaires est la zone de pacification. Là encore, le ministre vient lui-même armer la population pour qu'elle se défende de l'ALN. On lui fait allégeance, on lui baise la main. Lacoste, l'ancien résistant, n'a pas compris que l'ordre du vieux monde est en train de changer. La troisième zone est la zone interdite. Des villages entiers sont vidés de leur population et parfois... L'ALN de tout... Et la consigne est exécuter la moindre personne qui traverse la zone interdite. Plus d'un pays placé vers des camps de regroupement. Mais ce déplacement forcé va provoquer l'exode de dizaines de milliers de personnes vers la frontière tunisienne. Les camps de réfugiés font leur apparition, et c'est rapidement la famine qui décime des familles entières. Face à cette tragédie humanitaire, la Croix-Rouge décide d'intervenir. La guerre d'Algérie s'internationalise un peu plus et la France est montrée du doigt. Et pour les plus courageux de ces paysans, une autre route permet de fuir la guerre, l'immigration. Des dizaines de milliers d'Algériens vont ainsi rejoindre la France. Une dernière zone n'apparaît pas dans le découpage militaire. Pourtant, elle intéresse hautement les autorités françaises. Le Sahara. Les ingénieurs viennent de découvrir du pétrole à Assimi Saoud. Cette découverte, maintenue un temps secrète, redistribue les cartes du conflit algérien.
Le pays regorge du précieux liquide dont toute société moderne a le plus besoin. Et il n'est pas question de s'en séparer. Pour assurer le quadrillage de ces trois zones, il faut de plus en plus d'hommes. Guy Mollet prend une décision lourde de conséquences. Il engage dans la guerre les appelés du contingent et porte le service militaire à 28 mois. Une éternité. Du jamais vu depuis la mobilisation de 1939. Ils rejoignent les classes de rappelés déjà sur place. 400 000 soldats français seront bientôt présents en Algérie. Un dernier baiser pour une maman. Un dernier regard pour une fiancée. Un dernier geste avant l'inconnu. La plupart de ces garçons n'ont jamais quitté leur famille. Ils ne sont préparés ni au dépaysement, ni à la guerre. Ma petite maman, ne t'inquiète pas. Le capitaine a été clair. On part pour assurer le service d'ordre, pas pour le casse-pipe. Face à la détresse de la séparation, face à la peur de cette terre inconnue, face à l'angoisse des questions sans réponse, on se rassemble. On prie. Et la nef du navire peut bien remplacer celle de l'église. Dans la guerre, l'homme cherche toujours à mettre Dieu de son côté. Tous si différents et déjà si semblables, rassemblés par la crainte dans une même humanité, bientôt frères d'armes et de misère. Ce soir, à l'écoute du journal parlé ou télévisé, vous posez la même question. Quelles sont les nouvelles d'Algérie? La même question que je me pose aussi à chaque heure. Qui de vous, qui de nous n'a un fils? Un fiancé, un mari, un parent, un ami là-bas. La volonté du gouvernement, c'est que le sang ne coule plus en Algérie. Parmi ces garçons qui débarquent à Alger le 4 mai 1956, se trouvent 19 appelés de moins de 25 ans venant de la région parisienne. Ils n'ont plus que 14 jours à vivre. Sur cette route de montagne qui s'accroche aux gorges de Palestro, leur section va tomber dans une embuscade tendue par l'armée de libération nationale. Ils sont tués en moins d'un quart d'heure. C'est la première réponse du FLN au vote des pouvoirs spéciaux. En France, l'émotion est immense. Des jeunes meurent pour cette terre lointaine. Guy Mollet avait promis la paix. Il a plongé dans la guerre totale. Et c'est François Mitterrand qui se retrouve de nouveau en première ligne, mais cette fois-ci comme ministre de la Justice. Des dizaines de combattants algériens ont été emprisonnés et condamnés. Et l'État doit se montrer inflexible. Mitterrand refuse la grâce d'Ahmed Zabana, un militant du FLN condamné à mort. Le 19 juin 1956, il est exécuté. C'est le premier condamné à mort politique guillotiné.
les Algériens en font un martyr de la Révolution. 112 autres prisonniers politiques seront exécutés durant le conflit. La guillotine va devenir une véritable arme de guerre. De son côté, le FLN adresse une deuxième réponse au gouvernement français. Une réponse politique. Le 20 août 1956, il organise en Kabylie un congrès clandestin. Ses principaux chefs s'y retrouvent pour unifier les différents courants nationalistes. Ils annoncent la création du Conseil national de la Révolution algérienne. Ce doit être l'unique interlocuteur des négociations futures. Car dans le plus grand secret, Guy Mollet a entamé des pourparlers avec le FLN. Pour torpiller ces négociations, certains officiers français décident d'une opération spectaculaire. Ils détournent vers Alger un avion marocain transportant des leaders du FLN. Les négociations secrètes sont interrompues et Guy Mollet est mis devant le fait accompli. Le pouvoir politique ne se situe plus en France, il se déplace à Alger entre les mains des militaires. L'armée est fière de cette prise de guerre. Comment imaginer que ce chef rebelle que l'on envoie en prison deviendra dans 6 ans le premier président de la République algérienne? Son nom, Ahmed Ben Bella. Affaibli politiquement, Guy Mollet doit reprendre l'initiative. Il décide d'engager le combat contre le président égyptien, le colonel Nasser. C'est le gouvernement égyptien qui fournit des armes tirées de ses arsenaux en organisme de transport. C'est le gouvernement égyptien qui poursuit systématiquement dans ses centres d'instruction militaire, ses écoles de commando et de sabotage, la formation des cadres de groupes armés algériens. Avec ses alliés britanniques et israéliens, la France se lance dans l'expédition de Suez. L'objectif officiel est de libérer le canal que l'Égypte a nationalisé. Mais le pouvoir a un but caché. Éliminer Nasser. Alors que les parafrançais se rapprochent du palais présidentiel, ils reçoivent l'ordre de cesser le feu. L'opération de Suez vient de tourner au fiasco politique. Les Russes et les Américains se sont entendus pour obtenir le rembarquement des troupes franco-britanniques et ont obtenu une condamnation à l'ONU. Pour la seconde fois, la question algérienne est inscrite à l'ordre du jour. Face au monde des nations, la France se retrouve isolée. L'intention de France est de résoudre le problème de l'Algérie en permettant aux Algériens de faire des choix libres sur leur futur. En Algérie, pourtant, la France continue de parader. L'armée accueille comme un proconsul son nouveau chef, le général Salan. C'est le militaire le plus décoré de France. L'une des grandes figures de la guerre d'Indochine, stratège de la guerre subversive, il s'exprime peu, ne tolère aucune contestation. Même Robert Lacoste s'avoue impressionné par le charisme et l'autorité de Salan. Salan a un objectif, gagner sur le terrain militaire en écrasant définitivement le FLN. Pour cela, il met en place un étau qui ferme totalement le pays. Les frontières avec la Tunisie et le Maroc sont entièrement électrifiées et truffées de 3 millions de mines.